Yo les amis, c'est Vaker, très content de vous retrouver pour un nouveau guide complet de la quête de Varé le Blême. On va voir tout ce qu'il y a, à savoir du début à la fin. C'est le personnage qui est juste à côté de moi. On le rencontre vraiment au tout début de l'aventure, au premier site de grâce qui s'appelle le Commencement. On va voir toutes les récompenses qu'on peut obtenir dans sa quête, tous les choix à faire et toutes les fins possibles dans la quête de Varé le Blême. Donc j'espère que vous êtes prêts et je vous ai mis un petit chapitrage sur la vidéo pour vous aider dans cette longue quête de Varé le Blême. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, il y a plein d'autres guides qui vous attendent sur la chaîne. Donc c'est parti pour la quête de Varé le Blême, pas à pas, étape par étape. Et la première fois qu'on va rencontrer Varé, c'est au tout premier point de grâce de Nécrolimbe, le commencement, lorsque vous sortez de la grotte. Il se trouve juste à côté du site de grâce et bien sûr on va lui parler. Et comme d'habitude dans toutes les quêtes, n'oubliez pas d'aller à fond dans les dialogues jusqu'à ce que le personnage vous répète la même chose, c'est important. Well done indeed. You made it through that entire mess all the way to Stormvale. And off you trotted to the Round Table Hope. My sincerest congratulations. But how did you find the Round Table? Oh, you don't have to say it. Before, the Round Table was chock full of venerated warriors. But now, it's home to puff chests and has-beens. I fear you've been terribly disappointed. I don't blame you. But still, the Round Table has its perks. Why not earn a seat? Fly straight and true, so to speak. Selon si vous avez déjà été au château de Voilorage et tué Godric le Greffé, ou encore si vous êtes déjà allé à la table ronde, il se peut que le dialogue change, mais si il est toujours au début de l'aventure à ce point de grâce et qu'il vous propose ce choix, choisissez tout simplement « Je suivrai la voie de la vertu ». Ah, then you're interested. A wise choice indeed. To join the round table proper, you must acquire a great rune and request audience with the two fingers in the inner chamber. They are the purported masters of the grace that guides your kind, the tarnished. Yes, pay them a visit so that you may see for yourself. Varé nous indique qu'il va falloir obtenir une première rune majeure auprès par exemple de Godric le Greffé au château de Voilorage et qu'ensuite seulement on pourra demander une audience auprès des deux doigts à la table ronde. Seulement après avoir fait ça, on pourra continuer la quête de Varé. Une fois que Godric le Greffé a été vaincu, direction du coup la table ronde pour demander notre fameuse audience auprès des deux doigts qui se trouve ici. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the Greater Will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well,
a remembrance of demigods are hewn by the day. These remembrances, and should you wish, I will lend you the... The fingers guide us all. Après l'audience, si vous retournez ensuite au commencement, là où vous avez rencontré Varé, vous verrez que Varé a disparu, mais qu'il y a une trace au sol. Il nous dit qu'il est parti pour Lurnia et qu'on pourra le trouver à l'église de la Rose. Direction donc Lurnia, l'église de la Rose, qui est vraiment trouvable facilement en plein milieu du lac. On va retrouver Varé qui est situé juste devant. Ah, there you are. You claimed a great room and had your audience with the two fingers at the round table hole. What? Lorsque Varé vous demande ce que vous en avez pensé, dites-lui que quelque chose clochait. Aha, your intuition serves you well. My doubts had been piling up, you see. The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, naught but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most. Oh, I have a gift for you, something fit only... Comme toujours, assurez-vous d'épuiser ces lignes de dialogue en lui parlant plusieurs fois. Varé va vous donner un doigt sanglant suppurant. A means for circumventing the draw of the two fingers. Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I've high hopes for you, my lambkin. Be sure to try that finger I gave. There's no reason to dither. The tarnished was spurned by grace, forsaken by the two fingers. And now they ask you to mend their crumbling world? Your loyalty's a misplaced. Le doigt sanglant suppurant que vous a donné Varé est un objet du multijoueur qui permet de jouer en ligne. Ça vous permet d'envahir le monde d'un autre joueur dans le but de le tuer. La suite de la quête de Varé, en tout cas cette partie-là, est obligatoire et vous devez obligatoirement du coup avoir le mode en ligne, le mode multijoueur d'activer pour pouvoir continuer cette quête. Pour activer le mode multijoueur, allez dans Configuration et allez dans la partie Réseau. Ensuite, dans Paramètres de lancement, changez Jouer hors ligne en Jouer en ligne, puis redémarrez votre jeu pour que le multijoueur soit activé. Une fois le mode multijoueur activé, allez dans votre inventaire et allez dans les outils pour utiliser un doigt sanglant suppurant. Vous allez envahir le monde d'un autre joueur, l'objectif c'est de le tuer, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous mourrez, ce n'est pas grave, faites juste attention à vos runes, utilisez peut-être avant. Pour avancer dans la quête de Varé, il faudra utiliser à 3 reprises le doigt sanglant suppurant, peu importe si vous gagnez ou si vous perdez le combat. Une fois que c'est fait et que vous avez fait vos 3 invasions, vous pouvez retourner parler à Varé. I'm glad that you're enjoying my gift. I knew it from the very start. You have a taste for noble blood. I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new dynasty. Luminary Moog has strength, vision, and of course, love. So, what do you say, my lambkin? À ce moment-là, cliquez bien sur Accueillez-moi parmi vous. Yes. Who would have it any other way? Now, take this. Varé va ensuite vous confier une mission importante et vous donner un mouchoir blanc nommé Faveur du Seigneur du Sang. Il va falloir trouver une servante et imbiber le mouchoir de son sang pour enfin le ramener à Varé. C'est l'épreuve de Varé. Maidenless,
Pour trouver le sang d'une servante, il faudra se rendre à l'église de l'inhibition. Vous pouvez passer par l'église martiale et faire le chemin comme ceci sur la carte. À un moment donné, vous serez face à une tour avec de la démence. Ça va vous infliger de la démence. C'est la tour de la flamme exaltée. Cachez-vous derrière les rochers. Tant que l'œil ne vous voit pas, vous ne serez pas impacté par la démence. Vous pouvez monter tout en haut de la tour et tuer les mages pour être tranquille définitivement. Continuez votre chemin, passez par le village de la flamme exaltée et remontez jusqu'à l'église de l'inhibition. En arrivant, il y aura un personnage Vike qui va vous envahir. Je vous recommande du coup de le tuer, mais vous pouvez également vous rendre directement à l'église de l'inhibition et activer le point de grâce. Juste à côté du point de grâce se trouve une servante qui est déjà morte, ça tombe bien. Vous allez pouvoir récupérer un objet sur elle. C'est la toque de servante, la robe de servante et les chaussures de servante. Mais surtout, vous pourrez appuyer sur triangle pour teindre le tissu que Varé vous a donné avec le sang de la servante. Vous obtiendrez du coup en échange les faveurs du seigneur du sang, le mouchoir est tacheté de sang. Retournez voir Varé à l'église de la rose et montrez-lui le mouchoir. Ah, my lambkin. You've completed your final trial. And with this... You are a formal inductee, a knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now, give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. Lorsque Varé vous le demande, présentez votre doigt afin qu'il vous le coupe. Je vous rassure, cela n'impactera pas vos capacités. Clench your teeth or something. Continuez de parler à Varé. L'objet que Varé va vous donner est un objet très important. C'est la médaille de chevalier pur sang qui va vous permettre de vous téléporter au palais de Mogwin, une nouvelle zone où vous pourrez notamment faire beaucoup de farm, mais également continuer la quête de Varé jusqu'à son terme. The meeting must wait until the Mogwin dynasty commences. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Ah, it is trying, but we must be patient. One day you will be elevated, deservedly, basking in love. Right, my lambkin? Allez dans votre inventaire et dans les outils, vous pouvez utiliser la médaille de chevalier pur sang. Vous êtes donc téléporté sur le lieu de la salle d'audience, vous êtes exactement sous la map. Vous pouvez regarder votre carte et je vous conseille d'aller directement activer un premier site de grâce afin de pouvoir y retourner plus facilement par la suite. A partir du site de grâce, on va faire quelque chose d'optionnel mais qui permet de récupérer l'ensemble de Varé et notamment le masque blanc, un super item si vous jouez un build de saignement car il permet d'augmenter les dégâts en cas de saignement à proximité. Je vous montre le chemin. En arrivant près de cette zone, vous allez avoir une invasion, le masque blanc anonyme qui ressemble étrangement à Varé. Il faudra le battre. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez normalement sauter dans la falaise, il devrait vous suivre. Une fois que vous avez vaincu l'envahisseur, retournez un petit peu dans la même zone et vous aurez un deuxième envahisseur qui va venir essayer de vous tuer. Une fois que le deuxième envahisseur au masque blanc est mort, vous allez obtenir le set complet de l'armure de Varé. Et donc le masque blanc, qui permet d'obtenir un gain de dégâts s'il y a du saignement à proximité, à utiliser pour des builds orientés saignement, mais également la tenue de médecin de guerre, les gants de médecin de guerre et le pantalon de médecin de guerre. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il n'y avait pas d'envahisseur qui venait à ce moment-là.
Personnellement, je suis en New Game Plus et c'est la deuxième fois que je fais la quête exactement de la même manière et il y a bien des envahisseurs qui arrivent au bout d'un moment. Donc peut-être qu'il faudrait attendre un petit peu plus de temps dans la zone, circuler un petit peu autour des différents arbres et attendre vraiment que l'envahisseur arrive. En tout cas, personnellement, je n'ai pas eu le problème sur mes deux parties. Sachez que la tenue que vous recevez est altérée, vous pouvez aller à un site de grâce et modifier les vêtements pour modifier la tenue de médecin de guerre et qu'elle retrouve son style d'origine. Nous allons maintenant terminer la quête de Varé et avancer à partir du site de grâce entrée du mausolée de la dynastie jusqu'à trouver Varé. Lorsque vous êtes arrivé au site de grâce centre du mausolée de la dynastie, retournez un petit peu sur vos pas et vous verrez une marque rouge au sol. Examinez-la et envahissez le monde de Varé le Blême. Il faudra donc tuer cette fois-ci Varé le Blême pour mettre fin à la quête et recevoir une récompense unique. Descendez un petit peu plus bas dans la grotte et vous verrez apparaître Varé qui va essayer de vous tuer. Il faudra le battre. Attention, il est assez fort avec ses pouvoirs de saignement et également son arme. Faites attention à vous. Une fois battu, vous retournez dans votre monde et vous verrez Varé allongé sur le sol, vous n'avez plus qu'à lui parler. Parlez à Varé jusqu'à ce que celui-ci décède définitivement et vous pourrez récupérer sur son corps un objet. Il s'agit d'un doigt sanglant suppurant et aussi l'arme de Varé, le bouquet de Varé, qui est une arme de mêlée. Et c'est ainsi que se termine la quête de Varé le Blême. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé pour lui, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère que tout s'est bien passé pour vous au cours de cette quête, que vous avez pu obtenir toutes les récompenses, que tout a été clair pour vous. Je sais que certaines personnes ont des bugs, notamment au moment de l'envahisseur. Moi, c'est la deuxième fois que je fais cette quête et tout s'est passé comme la première fois. Donc j'espère que vraiment tout a été pour le mieux pour vous également.
et que vous avez pu obtenir toutes les récompenses associées à cette quête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez plein d'autres guides sur ma chaîne avec tous les autres PNJ du jeu, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Si ça vous a aidé, je vous laisse mettre le petit like et le petit abonnement, ça me fera super plaisir et ça aidera la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.